C'est sans doute la grande surprise des élections communales et municipales de mai dernier. La municipalité de Parakou, qui file entre les doigts du bloc républicain et tombe dans les mains des forces coris pour un Bénin émergent. Le nouveau patron de la troisième ville à statut particulier, le voici. Aboubakar Yahia, désigné par son parti pour être maire de la cité des Kobourou. Il succède ainsi à Charles Tocor, qui était aux commandes de la ville depuis octobre 2016. À 54 ans, Aboubakar Yahia place son mandat sous le signe de l'union de toutes les forces politiques de la ville de Parakou. Depuis le 17 mai passé, je suis allé au-delà des clivages politiques. Qu'on est BR, qu'on est UP ou FCBE, ensemble nous allons essayer de développer notre ville. Les querelles politiques, essayons de les mettre à côté. Certes, je suis disposé à discuter avec vous et je suis prêt à prendre en compte vos différentes critiques dans le sens du développement de notre ville. Enseignant à l'université de Parakou, Aboubakar Yahia est titulaire d'un doctorat d'État à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal et maître de conférence de la faculté de droit de l'université de Parakou. Il fut ministre d'État chargé du travail, de la fonction publique et de la réforme administrative sous l'ancien président Boni Yayi et directeur de la programmation et de la prospective au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Membre influent du bureau politique des forces coréennes pour un Bénin émergent, Aboubakar Yahia dispose d'une solide expérience et d'une capacité managériale irréprochable. Une fois aux commandes de la municipalité de Parakou, l'homme est appelé à se mettre résolument au travail pour relever les nombreux défis qui l'attendent.